Vous avez envie de jouer à ce jeu, genre. Et là, on enchaîne de suite, du coup. Meru contre Sir Knight. Oh là, mon dieu! Mais directement, mais aussi, tu m'étonnes qu'ils vont perdre ma voix aussi. Le match, il commence déjà, il y a déjà des conversions qui sont directement faites. On est déjà à 55%. C'est normal, Sam. T'inquiète, on a des jus, t'inquiète pas. On prend goût à force. Exactement. Mais ouais, forcément. Mais ouais, Shulk est pas en rage. En reste, hein. Niveau des conversions, c'est pas mal. Et niveau des pourcents, le personnage, bah voilà, avec son booster mode. Oh, ça fait très mal. 22% là-dessus seulement. Oh là là. Et là, on se met de suite en smash pour potentiellement peut-être récupérer déjà la première stock. Mais non, on voit que Meru est très patient. Ouais, Meru, il connaît bien le match-up Shulk. Hein. Il connaît bien. Il a joué, bah, il a joué contre Sandai, il a joué contre Truffort, le meilleur. Oh, Shulk, la belle deck. Oh non. C'est quoi, c'est un missing put Il a side B au lieu de up B. Voilà. Aïe, dommage. Parce qu'il était plutôt bien en plus dans cette game. Rends attention de ne pas se précipiter maintenant. Mais en vrai, c'est même pas mal parce que tu pars tellement loin que la bitch ne peut pas faire ses conversions. C'est vrai. Du coup, c'est presque intéressant de se mettre en mode smash à ce moment-là. 89% pour Meru, mais déjà 60% de prix à 78 maintenant. Meru qui est en train de faire un petit peu la différence. Oh là là, ce backer qui fait tellement mal. Il est incroyable ce backer. Il est vraiment incroyable. Et on essaye d'atterrir en upper, mais. Ça ne suffira pas. On a du mal à concrétiser là. Ouais, clairement. Là, on aimerait bien prendre le kill, mais c'est compliqué. On trouve ce backer, mais il n'y avait aucun mode, donc ça fera absolument rien si ce n'est le mettre off stage. Oh là là. Encore une fois, le backer qui a failli tuer Sir Knight. Oh, attention, il a air dodge, il est mort. Il a air dodge directionnel au lieu d'air dodge normal. Ah, c'est dur là. Je pense qu'il y a un peu de pression. Oh bon. Pourquoi ça a tué? C'est bizarre. Je pense que Meru a pas été totalement optimal sur la DI, je sais pas. Je sais pas trop pourquoi ça a tué. N'empêche que, bon, Meru est mort, très bien. On se met même en shield, mais on prend tarif quand même. Oh les bonnes conversions là de la part de notre ami sur le mode chill. Exactement, du coup c'est pas lui qui a l'avantage, mais le buster. Par contre là on voit deux busters. Oh mon dieu. Oh le buster c'est terrible là, vraiment. Ça fait super mal. Mais tous les modes de shield qui sont utiles en vrai. C'est pour ça que le personnage est peut-être pas non plus genre giga complet. Oh le contre. Tu m'avais dit c'est le pire contre hein, par contre, mais voilà. Ça aurait pu au moins là il a été utile. Voilà. Ça permet quand même d'esquiver certaines attaques. Oh, le side B c'est bizarre quand même comme technique. Oh là là là, cette ride ça tuera pas. Mais la ride de Meru qui est clairement dans la zone dès le début là. Ah, le problème c'est que depuis le début de cet après-midi, on voit que des joueurs qui mettent des 2-0 dans la zone, puis après ils y sont plus du tout. Ah, Meru il la veut. Meru il la veut son émission Winamax. Hein. Clairement. Oh bien. Oh là là là. Il y a une belle réaction de la part de Sir Knight. Très belle réaction. Et là côté Meru, en vrai il faut juste finir le boulot. Il faut juste être propre, être carré. Voilà. Ouais, mais là on a plus de shield. On va pas tuer sur l'Astro. Oh bah c'est fini. Oh non, le mode. Oh, oh non, c'est dommage. Allez, dommage c'est parce bon. Que la réaction était vraiment excellente. Exactement, il a changé. Il a pris le temps. Il pouvait revenir, mais Meru impérial. Le petit navet. Hop. Et du coup, on empêche Shir de revenir dans la game. Et du coup, c'est déjà 1-0, les amis. Exact, 1-0. Right. Et 1-0 et un BO qui s'annonce compliqué pour Sandite. Ah, il y a un petit fils. Oula. Et du coup, on continue sur la deuxième game du coup. Oh, c'est bien joué ça de la part de Sir dès le début. Il veut se mettre en buster, on va voir s'il arrive à mettre... Oh, ça fait même mal au shield le mode buster. Il a plus de shield du tout là. Il a plus de shield, notre ami Meru, du coup, il peut pas l'utiliser. Ok, oui, donc on a eu un petit freeze, vous inquiétez pas, on est sur le coup. Nous, on va continuer à commenter. Et ouais, pour le moment ça va mieux quand même côté Sir Knight. Et voilà, est-ce que ce mode chill va réussir à faire la différence? Tu vas monter les pourcents suffisamment. Oh, le speed aussi, là, quand on met le mode smash, tu crées une grosse diff. On a vu Meru, il connaît le matchup parce qu'il s'est mis en smash, il est très patient. Et voilà. Oh. Et ouais, ça dure super longtemps et ça va chercher très très bas. Oh mon dieu. Coup, techniquement, c'est un solar spot. Ok. Bon. Du coup, à chaque coup qu'il met notre ami Shulk, son épée elle s'agrandit, c'est un truc comme ça, non? C'est ça. Ok, regarde, tu vois, chaque fois que on voit ce gros rayon, bah voilà, c'est l'extrême de lightbox de l'épée de Shulk. C'est ce qui correspond à cette box active. Il y a du bon switch là, il fait bien, mais non. Dommage. Non, pas du tout, le fer est là. Bah là, pour le coup, c'est même pas une question de switch, c'est juste une bonne couverture de la part de Meru. Alors. Meru qui revient du coup, deux stocks partout. Il continue à remettre des petits coups de fesses. Est-ce qu'il y a une différence sur le choix du F-Smash?
Genre le club de golf, etc. ou pas? Oui, c'est le knockback, ils partent pas dans le même sens. D'accord. Il y en a un sur le côté, un en diagonale et un vers le haut. Mais sinon, ils font tous le même dégât. Voilà, ok, à peu près. Oui, même dégât. Oh, ça par contre. Ça oh, dommage, il a mis Simput, il avait quelque chose là. Oh là, ouais, ça fait si mal. Il a plus up plutôt que front, du coup. Oh là, le fer, ça tuera pas, heureusement. Mais les deux joueurs, c'est even ce match, les amis. Oh, par contre, ça. Oh, non, oh, c'est il bien a pu avoir une punition. Là. En fait, c'est bien parce qu'il a préféré pas tomber pour essayer de se prendre un truc et il a temporisé avec le B. Par contre, la Meru, voilà, qui trouve ce backer. Et avoir une pitch devant, c'est ça fait peur. Ouais. À tout moment, il peut sortir un petit peu n'importe quoi. Et on le rappelle, un petit navet, ça peut faire une grosse conversion. Mais attention, par contre, on a notre ami Sir qui a pas dit son dernier mot. C'est la dernière stock pour les deux joueurs, les amis. Oh, la bonne le problème, c'est que là, il a touché, mais il était en shield. Et du coup, ça fait pas de dégâts. Non, c'est surtout, ouais, il part nulle part, exactement. Le shield, c'est vraiment sympa. Oh, pour... oh, attention, oh voilà. Le oh, tipper ça tue, fer, mon dieu, quoi. Coup de couronne. Il était à quoi, 50% je crois, un truc comme ça. À peu près, ouais. Oh mon dieu. Non, ouais, peut-être 60 après le 60 après le dance match. Ah, le c'est fou. Et du coup, bah, Meru qui Cirque était bien revenu. Il avait bien complété à chaque fois qu'il perdait une stock, il revenait de suite. Il prenait pas beaucoup de pourcents. Mais là, sur la dernière stock, Meru, il a été impérial. Et du coup, c'est un 2-0 pour Meru. Est-ce que c'est le moment? Est-ce que le 3-2 revient? Est-ce que les joueurs ont cet ultra instinct dès qu'ils sont en train de perdre? On va le voir. Où est-ce que Meru va dire non, 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 c'est fini, mon pote. Je continue dans ce bracket et j'ai pas le temps. Et on est reparti sur la même map. Hein. C'est une map qui est pas mal pour Shul parce que tu vois, il y a plein de plateformes, plein de dégâts différents. Donc, du coup, il peut adapter ses modes en fonction des plateformes. C'est un stage qui évolue beaucoup et donc qui favorise l'adaptabilité aussi des joueurs. Et Shul, c'est vraiment le principe du perso. De t'adapter, okay, et de modifier un peu tes secteurs de jeu, tu vois. Jouer plus sur le speed par exemple sur certains phases, jouer plus sur le smash sur d'autres, plus sur le buster, enfin voilà. Stage très complet pour Shulk, mais de toute façon, Pitch a pas de mauvais stage. Dans le côté, donc, voilà, à partir de là, on voit déjà justement. Pitch a pas de mauvais. Voilà, on vient. Meru a déjà mis quelques bons pourcents, on est en burster, on essaie de taper, mais ça touche pas si. On a un coup quand même qu'on aura touché. Du coup, on a mis Sam qui s'est devenu even pour l'instant. Oui, exactement. À 0,1%, c'est pareil. On essaie d'aller chercher assez bas, ça touchera pas. Mais on chase bien pour l'instant. Aïe 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 aïe. C'est dur là. C'est dur de revenir là pour survive. Même si on est bien. Oh, on s'est mis en smash peut-être. Oh, c'est ambitieux. Aïe, c'est aïe, ambitieux. Aïe. Eh ouais, t'as vu directement, on passe en mode shield au cas où. De suite. On a voulu évidemment bien se protéger. On le voit, il y a plus de knockback pour lui. Oh, il a spam deux petits up smash, il y en a un qui a touché. Oh, c'est dangereux de revenir comme ça par ouais, contre. Ça peut être dangereux, ça peut être puni. Oh, le navet, le navet en l'air qui revient. Quelques oh, sur le deuxième. Et le même navet qui retouche deux fois. Oh là oh, là, la mon vache. Dieu. Mais Meru, c'est trop. Oh, non, et là, on enchaîne de suite. Oh, 40%, 44, 59 de suite. On se met en shield, mais c'est trop tard déjà. T'as déjà pris 60% c'est dans trop le front. Oh, oh. Oh bien, oh, bien joué, bah, ça, il par était contre, obligé de revenir. Bon timing. Il était obligé de revenir et du coup on a attendu côté Zornak et on a choisi le bon timing. Oh la mon dieu, mais Meru. C'est trop dur ce qu'il met Meru en vrai. Oh là, et ça va, non, ça va pas tuer encore. De toute façon, on est en jump. Oh mon dieu. Mais ce Meru, mais c'est quoi ça? Ce up smash, c'est quelque chose. Hein. Mais pourtant, tout le monde. Ah, on est heureux, oh c'est bon. Oh mon dieu, il merci s'est mis en chill. Il s'est mis en mode chill, mais il a quand même pris 60%. Alors sans ça, j'imagine même pas. Du coup, c'est bon, on est de retour. Ah bah c'est re-légende Zolan, ouais, ouais. Il y a un petit souci à la maison. Mais on est de retour. Bon, vous avez, je vais pas vous dire vous avez rien loupé parce que vous avez loupé des trucs pour le coup, mais... En gros, Meru des 0. Exactement. Ouais. Bah là, Meru, deuxième stock, 0%. Cirque ouais. Knight, dernière game qui a déjà 104%. Oh, ça enchaîne. Non, ça sera pas si, un petit peu. On se met un buster, mais ça, on n'enchaînera pas. Oh, Meru qui tente le bon fer. En vrai, il est obligé de tenter un gros clutch. Là, il a raison de se mettre en buster, de tout tenter, de rester en buster jusqu'au bout, histoire de savoir, histoire de mettre les pourcents qu'il peut mettre. Mais là, le buster est parti. On va devoir attendre 12-13 secondes, voire plus, pour s'en aller, pour espérer récupérer ce mode. Voilà, on va se mettre en speed. On va essayer de récupérer des combos, des petites conversions. Mais regarde, Meru qui chie, c'est dur. Et Meru, en fait, il fait pas d'erreur pour l'instant. Non, il se jette pas. À chaque fois dès qu'il y va, c'est qu'il sait qu'il a potentiellement une bonne conversion. Sinon hop, il recule de suite et voilà, le fer encore une fois. Approche en fer, tu peux être sûr que c'est mort, à part évidemment si t'es en shield bien sûr. Mais le shield va pas t'aider à revenir dans cette game pour le coup. Non, absolument pas. Alors on tape. Oh, oh non, oh, oh c'est bon. Oh, la plateforme qu'on aurait pu être terrible. Il pourra pas revenir, c'est fini. Il le savait, il a même sauté de l'autre côté. Et du coup c'est une victoire pour Meru. Il n'y aura pas eu ce fameux comeback 3-2. C'est un 3-0 pour Meru qui a été très très propre. Donc
Cyr qui, on le rappelle, a fait un excellent tournoi du coup. Ouais, Cyr qui a fait vraiment un très très bon tournoi qui a bien mérité son cash prize. Vraiment shout out, hein, et puis c'est une belle preuve de progression. Exactement, parce qu'on le rappelle, son bracket c'était pas le plus simple, il est tombé contre des gros.